Hello mes étrangers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo relooking. Oui, je suis vraiment désolée, ça fait super longtemps genre j'en ai pas fait. Mais je me suis dit qu'en fait dans les dernières vidéos relooking, je trouvais qu'en fait il y avait moins de hype. Peut-être que ça vous aviez saoulé, très le français, bonjour, Quinzel. Eh bien j'ai décidé, vu que ça faisait un petit moment, de faire une vidéo relooking. Comme d'habitude, si tu veux passer dans une vidéo relooking, il faut que tu mettes ton pseudo dans les commentaires. Pour les garçons, s'il y a des garçons, précisez bien que vous êtes un garçon dans le commentaire. Si je vois votre message, j'essaierai de mettre au moins un garçon en priorité. Enfin bon, pour la première personne qu'on va relooker dans cet épisode de relooking. D'ailleurs, le thème de cette semaine, il est magnifique. On est tous des anges ou des démons. Donc j'espère que dans les relookings que je vais faire, il y aura des personnes qui auront ce genre de thème. Donc la première personne, c'est Liv19M. Et c'est là-dedans. Attendez, je vais lui envoyer un petit auto, non? Voilà. Et on va faire son relooking, créer un nouveau look pour Liv. Et on va aller voir un petit peu ce qu'elle a comme à faire. Je ne sais... je ne sais pas. D'habitude, je sais ce que j'ai envie de faire. Là, je vous avouerai. On va voir, on va improviser avec ce qu'il y a. Eh bien. Qu'est-ce que nous avons là? Ta-ta-ta. Quelque chose d'original, peut-être. La robe là, je la vois souvent. Mais je crois que j'ai jamais fait de look avec. Donc, on va peut-être prendre cette robe là. On va voir les chaussures et les cheveux, ensuite les accessoires en dernier. Alors là, au niveau des chaussures, qu'est-ce qui irait... Ça va avec quand même. Ouais, non, ça fait mieux quand même, avec les petites paillettes. Les petites paillettes qui sont tombées de la robe sur les chaussures. Désolée. Non, je n'ai pas consommé avant de faire cette vidéo. Les cheveux... Ouais, celle-ci, c'est ce qui conviendrait mieux avec cette tenue, parce que ça fait genre très tenue de la gala. Et tu vois, à la gala, bah tu mets une jolie robe pailletée, puis ça passe, quoi. Mais, voilà, enfin, un sac à dos avec ce... avec cette robe, ça fait pas du tout... Ah bah tiens, ça fait pas un peu genre Miss, Mrs. France 2018, bonjour. Ça fait très... Ah, il y a des petites ailes, mais bon, ça va pas aller avec le look. Ici je vois rien, en soi là ça fait bien comme look, je sais pas s'il y a besoin de rajouter quoi que ce soit. Ah bah tiens, ouais non mais on les voit pas. Bon c'est pas grave, on peut les laisser de toute manière. Et là le sac il est sympa non? Mais ouais non c'est sympa, j'aime bien. Avec le sac, dommage que du coup les boucles d'oreilles on ne les voit pas. Parce qu'ils sont assortis au sac et là il y a pas, on voit pas. Attendez si je mets les épaulettes. Oh ça passe. Mais peut-être qu'on va enlever le sac. Parce que ça fait un peu trop. Les épaulettes plus le sac. Mais attendez, si je fais ça... Oh non! Je pensais que ça allait revenir en arrière d'un coup. Mais je suis vraiment une noob. Mais c'est pas grave. Je vais rapidement... Hop! Attends, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je dois faire. Même si avant, je ne savais pas. On avait dit hop, ça ici. Les cheveux, on avait mis cela. Et ici, on va revenir. On a juste les épaulettes. Voilà, qui sont juste là. Eh bien, bah on arrive à la troisième page. Bah moi, ça me plaît bien comme ça. Après, est-ce qu'on met le diadème ou pas? Bon, allez, va pour le diadème. Et on va valider le look. 15... non, c'est pas comme ça. 15L. Et passer par là. Voilà, j'espère que le look là vous plaît. Pour la personne suivante, c'est Tartine223. Donc, je suppose que c'est celui-ci. Hein. Ouais, c'est le bon pseudo, on est d'accord. Comme d'habitude, on envoie un petit auto et puis on va aller faire le relooking ici et on crée. Donc là, je crois qu'elle était niveau 22. On aura peut-être pas mal d'affaires. On verra. On va voir. On va checker ça ensemble. Et comme vous constaterez, là, dans mon que fais-tu, je suis en train de regarder c'est quoi mon que fais-tu. Vous avez mes pet-pets, ils donnent plus 5 par pet-pet dans ma chambre. N'hésitez pas, il y en a 10. Vous faites 25 star... Non, 50 starcoins, qu'est-ce que je dis? 25, lol. La meuf qui sait pas compter. Oh, j'adore cette coupe. Bah, je sais déjà quelle coupe je vais mettre. Normalement, je ne commence jamais avec... J'ai pas enlevé les taches de rousseur. Ah, c'est bon. Je ne commence jamais par la coupe parce que j'essaie toujours de mettre une coupe en fonction de la tenue que j'ai choisie. Mais, au vu que cette coupe-là m'intéresse... C'est quoi? C'est la coupe du nouveau pack? C'est quoi? Ce que j'ai jamais vu. Bon, enfin bon. On va aller ensuite mettre une tenue adéquate. Sachant que cette tenue, elle fait très French concombre. Non, je déconne, pas concombre. Ça fait quand même assez tenue des années 60, 70, je dirais.
Il faut soit mettre une jolie robe raffinée, je pense, ou soit peut-être un top crop, parce que top crop, ouais, mais avec cette coupe là, ça fait très gala aussi, ça fait gala années 50, c'est. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué de trouver une tenue qui... Ouais, surtout qu'il n'y en a pas non plus des masses. Une tenue qui va avec, avec cette coiffure, ça va être difficile. Franchement, je sais pas. Là, ça me pose une colle quand même, si je mettais ça. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Bah attendez, si, je vois qu'il y a le haut là. Peut-être que s'il y a le pantalon en bas, le même assorti, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique. Mais il n'y a pas... Si, il y a ça. Bon, ça passe, ça passe. C'est juste, mais ça passe encore. Bon, je suis pas super fan, mais j'ai vraiment envie de laisser cette coupe. Ça, ça passe bien. Ça, ça passe pas. Non. Franchement, j'ai vraiment envie de laisser la coupe là, mais c'est fou, c'est chaud. On va peut-être pouvoir accessoriser tout ça pour que ça soit bien. Si je mets ça. Mais c'est où? C'est pas censé être un collier, ça va où? Ça allait où? Bon, ça fait peut-être... En fait, c'était peut-être un porte-jartel, je ne sais pas. I don't know. Je voulais que ce soit au niveau du cou, mais non. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Là non plus. Un bandeau, ouais, mais non, bah avec ses cheveux, ça va pas du tout. Il y a déjà tellement d'accessoires dans ses cheveux qu'on va pas en rajouter si je mets ça. Ouais, non, ça, ça passe. Ça va bien avec l'accessoire qu'elle a déjà dans le cheveu. Mais, oh non, dommage. Je trouve pas. En fait, j'aurais voulu un collier, quelque chose pour ici. Mais bon, ça passe. On va valider comme ça. C'est, je pense, le look le plus, entre guillemets, original. Pas forcément le plus beau. Mais il est assez original. Quinzelle est passée par les... Voilà. Pour la puissante... la puissante personne, ok. La personne suivante, c'est Stranger Mama. Non, c'est pas très l'anglais non plus, mais Stranger Mama. Donc, maman étrange, en français. C'est assez bizarre comme pseudo, ça fait peur. Stranger Things. Et on va faire un look à Madame Stranger Mama. Pour le look, je vois des petites choses intéressantes. La robe là me plaît bien. Ouais, mais non, elle l'a déjà de base. Elle l'a déjà de base. On va tout enlever. Et on va partir sur de la nouveauté. Alors, vu qu'elle avait mis une robe violette, elle avait mis celle-ci. On va mettre autre chose. C'était dommage parce que je la trouvais super. Je voulais faire avec. Oh, et merci Girly Kitty pour la salutation. Je te fais un très gros bisou. Merci beaucoup. On va voir peut-être si son look s'affiche. Yes. Oh mon dieu, mais c'est terrible. J'imagine bien une personne qui a les mêmes ailes que moi en salutation, ce que ça donnerait quoi. Genre ça fait une grosse, ça te prend trois quarts de ton écran quoi. En tout cas, merci beaucoup pour la salutation. On va peut-être partir sur quelque chose de plus dark parce qu'elle a mis une robe assez pastel. Peut-être sur un look un peu plus sombre. On va quand même voir un petit peu ce qu'il y a avant de se décider. Pas que je me précipite. Attendez, parce que là... Ouais non, le truc là j'ai déjà utilisé. Faut que je fasse des trucs un peu plus... Ah bah tiens, ça me plaît bien aussi. Ça je l'ai pris aussi, je l'ai en jaune je crois, en blanc. Et je crois en bleu aussi, mais un autre bleu. Ça c'était quand ces robes là, je crois qu'on peut plus les retrouver dans le shopping. Ils étaient là pendant un moment, on appelle ça des uniques apparemment. Et ils apparaissent de temps en temps dans la boutique, mais pas tout le temps. Alors bah écoutez, je pense qu'on va rester sur cette robe là en relooking. Je l'avais jamais mis à personne parce que bon, faut aussi pouvoir trouver des gens qui l'ont. Ça aussi je trouve ça sympa, mais non. Ah bon, allez, non, on va prendre celle-ci finalement. Je dois être un petit peu plus original. Alors pour le bas, soit on peut partir sur du beige avec du rouge, ça se marie très bien. Bonjour Quinzelle Cordula. Et si on continue, peut-être qu'on trouvera autre chose. En plus j'adore ces... Ça, oh, quoique en beige... Ouais non, franchement ça en beige, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu, c'est trop bien. Non, franchement les bottes là ils vont super bien avec ça. Maintenant il faut trouver une coupe. Alors celle-ci elle passe bien, ça fait très cow-boy. Ça elle l'avait déjà de base, donc on va pas remettre la même coupe qu'elle portait déjà avant. Ça c'est sympa.
Ça, c'est sympa aussi. Peut-être une coiffure un peu plus courte. Genre dans ce style-là. Mais je sais pas, je la verrais plus brune que blonde. Mais on voit bien que elle, par contre, elle préfère quand même peut-être les coupes blondes. Parce qu'elle a beaucoup plus de blond que de coupes brunes. Donc ouais, on va quand même partir sur du blond parce que je pense qu'elle préfère quand même les coupes blondes. Pour le blond, on va peut-être mettre les deux chignons. Ça fait un peu genre fille de la, pas de la campagne, mais du désert de la campagne quoi, du cow-boy quoi. Enfin comme dans les ranchs quoi, avec les chaussures là, voilà, un peu fermière quoi. Et pour les accessories, non, ça fait un peu too much. La couleur est un peu plus trop sombre. Ah tiens, on pourrait lui mettre des fleurs. Mais s'il y avait des fleurs rouges, ce serait... Ah bah tiens, pardon, des fleurs rouges. Ça, ça le fait déjà un peu mieux. Même si je suis pas non plus super super fan. J'aurais préféré un truc genre plus comme ça, mais que avec du rouge. Genre... Merde, elle a plus de cheveux. Eh bah bravo, Quinzel. Elle a plus de cheveux grâce à toi. On va lui remettre ses cheveux quand même. C'est mieux quand même avec des cheveux. Hein. Mais franchement, ouais, au pire, je peux lui laisser en blanc. Mais si elle avait la fleur là en rouge, ça aurait été tellement idéal. Et en plus, on aurait mis lui. Alors, ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Là, non plus. Là, non plus. Quoique, on peut mettre... Hop. Ouais, non, ça, on dirait qu'elle a mis des yeux au beurre noir. Hein. Donc, on va pas lui mettre, mais... On va bien trouver quand même des fossiles un peu moins volumineux, moins voyants. Mais là, je trouve rien d'intéressant, donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus au niveau du look. Bah écoutez, j'espère que ces trois relookings vous plairont. Comme d'habitude, je rappelle, si vous voulez participer dans une prochaine vidéo relooking, je prends toujours trois commentaires au hasard sous la vidéo. Donc mettez votre pseudo sous la vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao. Looks like you're changing and all